Tout le monde. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, on va aller chercher le chapeau chinois. J'ai vu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont calculé ça. Donc, direction Armadillo. On va aller chercher le chapeau chinois, la calotte chinoise, comme ils disent, et une petite lettre pour comprendre ce qu'on va trouver, entre parenthèses. Donc allez hop, c'est parti, là on est à la maison. Désolé pour le spoil, mais bon, c'est la vie mon pote, hein. Et si tu veux pas être spoilé, faut pas faire de recherche sur internet. Faut se débrouiller par soi-même. Donc, ok, direction Armadillon. En ce moment, là je vais faire à mon avis 4-5 vidéos. Là je suis en ce moment, je rôde sur Armadillon, donc on va avoir une petite série de petites vidéos sur Armadillon en speed. Mais bon, rien de fantastique. C'est juste, je rôde dans le coin en ce moment. On sait jamais. Parce que là, j'ai tellement mal au crâne là avec tous les autres mystères que il faut que je souffle un peu, que j'aille ailleurs, que je voie d'autres paysages, d'autres ennemis, d'autres décors. Là, j'en peux plus. Je fais une saturation. Mais je vais faire une petite vidéo là d'ici pas longtemps où je vais regrouper plusieurs mystères. Je vais pas donner de solution, hein, mais je vais parler des mystères qui me trottent et que j'ai pas de solution et que la communauté n'a pas de solution non plus. Donc si on peut en discuter tous ensemble, si et préciser aussi les choses, les mystères quoi, entre parenthèses, ça pourra peut-être faire avancer que certaines personnes partent dans cette direction, d'autres partent sur d'autres projets. Donc c'est reparti, direction Armadillon. Ok, allez hop, on cavale direct. Donc un peu plus haut là-bas, vous allez, il y a comme un fossé à un moment et le cadavre est dans le fossé. Je sais qu'il est par là-bas. J'aurais peut-être dû aller faire un tour avant de faire la vidéo. J'aurais dû aller voir, repérer le truc. Là, on va devoir un petit peu chercher. Je vais perdre un petit peu de temps. Mais bon. On va pas mourir. Enfin, pas tout de suite. J'espère pas. Bon, voilà, c'est cette histoire de crevasse, tu vois. Là, une crevasse qui. Bon, c'est pas très profond, mais sur le terrain, tu verras, elle est repérable. Donc, vas-y, voilà. Je sais plus si c'est plus haut ou pas. Attends, ouais. Là, je suis peut-être un peu mieux. On va essayer de faire un petit repérage d'ici. Là, c'est le truc. Quand tu trouves pas, mets-toi un peu en hauteur, guette, tu verras peut-être un truc. Là-bas, là, je vois. Ah, il y a des oiseaux. Ah, c'est possible, ouais. En général, quand tu vois des corbeaux s'envoler comme ça, c'est qu'il y a un cadavre pas loin. Ouais. Alors, qu'est-ce que je te disais? Ah, ça aussi, ces oiseaux, ils sont pas mal. Ils servent à repérer des scènes de crime. Tu le vois le chinois par terre avec sa calotte là? C'est ça le chapeau chinois. Eh ouais. C'est une calotte, hein. C'est pas le chapeau en pyramide là. On prend la petite lettre qu'il y a sur lui. Je vais vous laisser la lire. Cher Zouyi. Alors c'est Zouwei qui parle à Zoui. On va pas rester trois plombes dessus. Si t'as pas réussi à lire assez vite, tu remets pause. Hop là. Et voilà les gars. Petite calotte chinoise. Ouais, je sais, c'est bidon, mais bon. On aime bien ramasser tout ce qui traîne, avoir une collection complète. Donc voilà les amis, hein.
Armadillon, petite position au nord-est d'Armadillon. Voilà, au-dessus du L. Donc voilà, les amis. Je vous dis bonne game, bonne recherche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Des solutions d'énigmes ou quoi, qu'est-ce? N'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des bisous. Allez, tchuss. Come on, lady. Thank you.